modifications assez majeures au niveau du temps. On parle de 80 heures et plus par semaine. Puis le plus difficile au-delà de la créativité, c'est qu'il faut réussir à matcher créativité et coordination d'équipe. Les étapes de création pour un sketch, ben, on lit le texte, on regarde un peu ce que les Australiens ont fait. Moi, je fais de la recherche là, sur Internet, dans des livres, bibliothèques, librairies, tout ça. Puis là, je fais la plantation, là, je fais les plans de construction, on fait construire les décors dans un atelier de décors. Pendant ce temps-là, moi, je couraille le stock là, pour l'habillage des décors. Là, ce qui me réconcilie avec toute cette grosse machine, là, c'est qu'on arrive le matin, il n'y a rien. On part, il y a cinq univers qui ne se ressemblent pas. Là, puis tu dis, Colin, on a fait ça. Là, et nous, on doit être sur roue pour tout ce qu'il y a ici. En fait, tout ce qui existe, c'est sur roue. C'est pas compliqué. Si on a des lustres, il faut les accrocher directement après nos décors. Il faut qu'elles puissent voyager avec le décor dans lequel on travaille. T'sais. C'est un vrai petit Tetris en arrière. C'est quelque chose. Si on parle d'un décor normal, on parle d'environ de 5 à 10 minutes pour un switch. Puis si les gens sont suffisamment silencieux, ça peut se passer sans que personne s'en rende compte. Position de panique! Tout le monde en position! Protège ses cheveux, madame! Protège ses cheveux! Dans la maison, doivent savoir, docteur Ananucci, que votre grande passion a toujours été de prodiguer des soins esthétiques pour le visage et pour le corps. Oui, évidemment! Et surtout pour les phases de filles. Pardon! Ça me fait tellement plaisir d'être de retour, père. Ce n'est rien, fiston. Il fait bon de te voir. Merci, père. Mon chéri, comme tu as maigri. Oui. Et en plus, tu ne bégayes presque plus. À peine. C'est elle, Ginette. Ouais, non, mais c'est un autre Ginette, ça. Oh, shit. OK, les intentions. C'est qui, ça? C'est Ginette. Ginette. Oui, c'est à cause d'elle qu'on a un cerceau. OK. OK, anyway, on reprend ça, là. OK, on met notre orgueil de côté. Let's go. OK, let's go, Pierre, on va clencher okay. Ça. C'est à qui, ça? À Ginette. C'est à qui, ça? Je l'ai connue. Une autre histoire. Ça m'est gravé dans ma mémoire. Elle m'a demandé si tu danses. Ben, chante! Chante! Steve, arrête ça, là! Arrête ça, ça marche plus! Okay. Dieu merci, vous êtes là. Edelweiss, lalala. Ah, très bien, vous êtes déjà là, Mademoiselle Barnwell. Je n'ose pas me retourner. Mademoiselle Barnwell, que dites-vous de mon trophée de chasse? Merci. Mais il n'est pas pour vous, nous allons le manger plus tard. Ah bon? Georges, si vous pouvez me débarrasser de mon fusil et du volatile. Ah! Oh! Merde! C'est pété! Décollage réussi, capitaine! Bravo, capitaine! Bravo, capitaine! Très bien, c'est l'heure du lunch. Nous nous rencontrons à nouveau. Ouais, voulez-vous vous asseoir? Je vais monter au ciel direct. Avant de mourir, je vais aller te parler d'en face, moi, ce barbu-là. Je vais dire que sa place, c'est moi qui la veux. Je veux être Dieu, c'est-tu clair, maman? C'est pas pire, ça, hein? C'est pas pire. Ouais. Jean-Marie, parlant de pas pire, tu m'as laissé... Jean-Marie? Oui? C'est la première fois, maman, que tu m'appelles Jean-Marie. Ben voyons, d'habitude, je t'appelle Fiston, mais Jean-Marie, ça fait pareil. Jean-Marie, tu m'as jamais dit mon prénom, j'ai jamais su que je m'appelais Jean-Marie. C'est la première fois que j'entends parler d'un Jean-Marie. Je peux bien te fucker. Jean pour Jean-Baptiste, Marie pour Marie la Vierge.